que tu mettes ton. Toi que t'ailles sur là, c'est qu'on voit les commentaires déjà. Ah non, on va aller voir là, je crois. Moi, je suis avec mon PC d'habitude, mais. J'ai pas descendu. Je vais mettre le téléphone. Voilà, c'est bon, t'es en direct. Normalement, là, c'est bon. Salut à tous! C'est bon, on est en direct. Hello, hello! Bonjour! On va attendre de toute façon qu'il y ait un peu de monde. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. On va les habituer. On va les mettre comme ça. Ah, ça monte vite. Ça monte très très vite. On voit les 4 quand même. Bon, alors désolé pour le petit retard, hein, mais bon, les habitués savent que c'est habituel. Ouais, ça va, on n'a pas trop de retard. Et donc c'est de la faute de, d'Aubéry, ouais. La femme à Teddy, de Teddy à Teddy. Deux. Ouais, je crois. Sinon A, c'est l'appartenance. Ouais, alors cours de français, les gars. Ben, donc merci à tous pour votre présence. 70. Donc moi 70 déjà, 75. Moi Cheval, je suis en présence de Romain. Bonjour. Romain Chat. De Teddy, sous food d'époque. Hello hello, ça fait 42 minutes qu'on rafraîchit la page. Voilà. Ouais, bah. Romain et moi on a fait des bornes et surtout on est venu avec nos masques, vous ne voyez pas, mais voilà, on a du gel hydroalcoolique, on a des masques, on se protège. Grosse organisation pour cette ouverture. Des flèches au sol pour la circulation aussi. Bon, au niveau de la distance, on va pas vous le cacher, on est côte à côte. Donc on prend nos dispositions. Et on est déjà à 83. Bon, bah, y a déjà beaucoup de monde aujourd'hui, c'est vraiment cool. Beaucoup d'intérêt sur cette Bonsoir. Ouverture. Ouais. Ouais, Pablo, ça fait 42 minutes. Voilà, enfin bon, si t'es malin, tu viens à 15h, tu gagnes une demi-heure. Donc on a trié les boosters, normalement on en a 12. Ouais, donc Vincent, on a vu ton commentaire, mais malheureusement c'est tellement difficile à trier le Destiny qu'on voulait vous épargner une demi-heure de tri pénible, longue, et puis voilà, c'est pour gagner beaucoup plus de temps. Et il y aura très certainement des erreurs, donc on a abrégé la chose. Ouais, mais on est beaucoup, non? 92. Allez, ce confinement c'est fini, il faut travailler. Hein. Les gens ils ne travaillent pas. Bon, on va être parti, hein. Ouais, alors avant je déjà donc là merci à toi Romain quand même d'avoir fait le fou comme d'habitude. Ben, merci à vous. Moi je dis toujours que tu fais le fou mais en fait c'est jamais de la folie parce que tu sais ce que tu fais. Non. Ça c'est pour te passer un petit peu de pommade mais c'est tellement vrai. Chaque fois on dit il est fou et il a souvent raison, il connaît bien un petit peu le marché si on peut parler, voilà. Mais ça reste bien sûr du plaisir. Ça reste avant tout une passion, parce que je pense que sans passion, même si derrière, aujourd'hui, c'est devenu un investissement et c'est devenu un marché, avant tout, il y a de la passion derrière, et sans la passion, je pense qu'on n'en arriverait pas là aujourd'hui. C'est clair. Ah bah oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de passion. Voilà, tout simplement, je pense que c'est bien résumé. En tout cas, perso, moi, je ne serais pas là, j'aurais pas fait 2h30 de route pour assister à ça. On a hésité au clair du soleil et lune, mais finalement... Bon. alors, on va rappeler quand même... On va avoir des belles choses parce qu'on va ouvrir, on va y avoir des belles zolos. Et moi, je vais tirer le Draco Feu Brillant. Ça, c'est. Moi, je prends juste Arcadin. Moi, je dirais ça. Par contre, on rappelle quand même. Donc, on rappelle quand même qu'il y a un petit jeu concours et puis il n'y a pas rien à gagner. Il y a quand même. Ça, on n'a même pas rappelé. Oui, toujours les mêmes qui bossent. Il y a un très très beau cadeau. Il y a un très beau cadeau. Donc, va y avoir. Un booster Neo Destiny à gagner, c'est les sorties de booster. Je vais choisir l'illustration. Ouais, je vais choisir l'illustration parce qu'au final c'est plus simple. Et il y a ce qu'il faut. Vous obtiendrez un booster qui est sorti de display. Donc niveau brillance, on est au top. Il n'y a pas de rayures sur le booster. Donc là, on est sur du niveau mint de la collection de booster. Voilà, et Destiny est très très compliqué à trouver dans cet état-là, surtout sur un état de surface, puisqu'il se raye extrêmement facilement comme les Aquapolis. Donc petit rappel, pour gagner ce booster, c'était simple. Il fallait liker le post. C'est pas tiré le drac au feu apparemment. Où on a annoncé. Si pour les autres, je les tire. donc rappel, liker le post où on a annoncé le live. Liker la page de Romain Invest Collect. Et bien sûr, liker le live. Ça c'est impératif. Ouais. Sabrina.
Super, elle est magnifique, elle est super. Sinon, bon, elle est synchro avec nous, on est 126. Hein. Sabrina, elle a été virée de Blabla, je crois. Non, Sabrina, elle est partie de Blabla, on est vraiment contente, quoi. Très contente de t'avoir. Elle est au taquet, c'est magnifique. Sabrina fera un screenshot à la fin du live pour le tirage au sort. Ouais. Donc pour participer au tirage au sort, il faut liker le live, le post et la page Invest Collect. Voilà, faut que les trois conditions soient réunies et il y aura un tirage au sort donc avec Romain et les admins de la ferme. Alors vous pouvez mettre n'importe quel like, hein. Vous pouvez mettre une tête, c'est pas que le pouce, hein. Vous mettez juste une emote, c'est bon. Ouais, même si vous aimez pas, ça marche aussi, je crois. Ah, j'aime pas aussi, ça marche. Ouais, j'aime pas, c'est votre droit, oui. Il en faut pour tout le monde. Moi j'aime pas, mais j'ai envie de gagner quand même. Et le tirage au sort se fera semaine prochaine. Le 28... Non. Le 21. 21. 22. Jeudi. Jeudi de l'Ascension, le jeudi qui est férié. Ouais, donc c'est jeudi, on est combien aujourd'hui? On est le 13. On est le 13. Donc le 21. 13, 14... Le 21, voilà. Sinon, tu feras un rappel, je pense. Mais... Ouais, je ferai un petit rappel. Il faut juste un peu de temps, histoire de ne pas faire de bêtises et d'utiliser les bons outils pour que personne ne soit lésé. Voilà. Donc, c'est parti, je crois, hein. Et pour info, pour nous excuser du retard, va y avoir quelques petites surprises aussi à la fin du live. Des petits trucs pas ouf. Des petits trucs pas ouf, mais qui sont ouf aussi. bon, c'est parti. Non, ouais, à toi l'honneur. Allez, Romain, c'est parti. 135 personnes sur live, c'est quand même assez exceptionnel. Merci à tous d'être là. Alors, d'être présent. Touche pas l'appareil. Sinon, ça tombe. Alors, de mémoire, il n'y a pas de tri à faire sur le Destiny. C'est, c'est Lolo à la fin, de ce que je me rappelle. On remercie Harold de nous l'avoir appelé. Je ne sais pas s'il est là, Harold. Il n'y a pas de tri à faire. Donc, c'est encore mieux, parce que je déteste faire le tri sur les cartes. Déjà, on ne sait jamais. Il n'y a pas de reverse, hein, de toute façon. C'est la première fois que j'ouvre un booster sans le déchirer. Oui, Karim, il faut liker le post. Du live. Non, c'est bon, on va rester comme ça. Allez, c'est parti. Hop, juste le temps que moi je me cale. On est parti avec un Marc Cacrin. Caninos. Attends, on va juste faire ça. Ouais. Que je Sinon, tu les mets dans la box. Regarde. Ouais, on va mettre dans la box pour pas abîmer les communes quand on va les prendre. Parce que ça reste des cartes qui sont neuves et on va dire assez recherchées quand même. Hop. Caninos, sublime illustration. Fampi. Caïminus. Fantominus. Watt. Bon, moi c'est une de mes préférées. Enfin, voilà. Je le dis à chaque fois. Ouais, je saute tout le monde. Mais c'est une de mes illustrations préférées. J'ai pas d'explication. Tu peux la garder. Ambrilas. Celle-là, si t'aimes bien, je crois. Ouais, elle est belle. Hein. Celle-ci, elle est belle aussi. Allez, Spectrum Obscur, on va arriver. Il y a combien? Il y a 3 semi-communes? Je sais pas trop. Il y a 11 cartes. Donc... Oh, ça sent le Tyrannosaurus, ça. Moi, je suis Arcana, dans le premier. Kingly, et attention, on va voir derrière. On va voir la couleur. On est sur du blanc. Du blanc. Wow, elle est magnifique. Oh là. Sublime. Alors là... Alors là, on va prendre le temps de ça avec vous. À part les voyants, il y a un ce qui devient, alors dans cet état-là, elle n'est pas trouvable, mais elle devient même vraiment, même en état moyen, ouais, c'est introuvable. Ça. On va pas faire on va pas regarder toutes les rayures droites, on va regarder progressivement vite fait. On voit quand même qu'on est sur une carte avec un défaut de fin. Je vois à l'œil nu comme ça, pas de défaut de coupe. Ouais, franchement, pour du défini, c'est propre. Hein. Ouais. Eh ben, je vais te dire... C'est sublime, sublime. T'es en qualité supérieure par rapport à celle qu'on avait. Ça sent d'entrée de jeu. Après, voilà, bon, je vais montrer, je vais m'attarder un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a un petit bourrelet sur la coupe. Mais ça, je l'avais aussi. Mais niveau rayure et coupe au niveau des angles et des coins, on est largement au-dessus de l'ancienne... Tremble pas, t'as la blague. Ah, voilà. Hein. Ça commence bien, on va dire. Ah ouais, là, ça commence fort. Bon, en même temps, une carte que tu vois jamais, quoi. Enfin, mais on voit jamais. Même, même en d'occasion. Non, tu vois pas, enfin voilà, c'est sublime, magnifique. Mets un top le dernier. Allez, je laisse ma place. Ça va être une très belle ouverture. Ouais, bah de toute façon, je pense que tout va être à peu près énorme. Je tremble. On fait 2-2 pour éviter tout. Ouais, vas-y. Je tremble, c'est impressionnant. Ah oui, bah c'est... Ah mais je comprends. Tu m'as fait ouvrir le Shadow Lest. Ah oui. Moi j'étais comme ça. Je contrôlais plus rien. Oh celui-là il est très très lourd.
Magnifique ce tir. Vas-y, prends, il y en a. Ouais, la main c'est impossible, les gars. Non mais il est plus épais, il est plus compact. Ouais, là il est... trempe tellement qu'il y a l'impression qu'il y a deux Est-ce que tu veux un peu de l'ail? Non merci. On les a pesés, il y avait 0, virgule. Non, il paraît plus compact, mais non, c'est ridicule. Bon, en brillant, alors toi, brillance, pour ta collecte, le Noir Fang. J'aimerais Noir Fang en collecte, et puis sinon, après, en brillant, pour parce que voilà, les autres brillants, je les ai, donc ça sera pour de la revente. Mmh. Voilà, faut être clair. Donc, le Dracofeu, c'est la carte ultime, on va dire, et puis après, un petit... toutes les autres sont magnifiques, en fait. Donc, franchement, j'ai vraiment pas de préférence. Mais le Dracofeu, ça serait quand même la consécration. Ah, quand même. Ah bah clairement, c'est la meilleure carte. De... Noir Fang, Dracofeu quand même. Ouais, ça serait bien. Ça, c'est les... Et en holo, il faut 6 Aiox. 6 Aiox obscur. Lumineux. 6 Aiox lumineux. 6 Aiox lumineux. Obscur. Donc 6 Aiox obscur. Ah ouais, t'as pas le chercher, c'est une nouvelle série quoi. Une nouvelle carte. On coupe. On commence. Otaria. Les lumineux, les obscurs. Non, je suis perdu. Et là, je suis un petit peu. Je suis déboussolé. Fantominus. Ambrilex. Psychoquack. Zarbité. Scorplan. Machoc. Waouh. Sympa aussi ça. Aqua lumineux. Très très belle semi-commune. Aquacoque lumineux. Ah! Il y a quelqu'un qui m'en demande toutes les semaines. C'est Pokédigno. Voilà. Il est là. Il est là. Il n'y a que lui. Hein. Il est là. C'est le mec. Incroyable. Non, mais ça fait longtemps qu'il me le demande. Il faut que je lui cherche. Et à chaque fois, je prends pas le temps. Donc, il est là. Voilà. Elle est belle. Très, très belle. Allez. C'est magnifique aussi. Ça. Et la... C'est du psy. C'est Mewtwo. Oui. Oh là là. Ouais, génial. Oh là là, c'est parti. Alors là, on est parti. Le live est terminé. Bonne soirée à tous. Oh punaise. Oh là là. On n'aurait pas pu faire mieux en deux boosters. Ah bah là, deux boosters, t'as les deux meilleurs holos là. Avec Arcana, oh punaise. Ouais, quand il y a quand même des... Oh, le problème, on se rend compte que Destiny, ouais, c'est là, là, c'est devenu... Après, non. C'est mon display à la base. Un peu à tout moment. Qui avant était le mien. C'est vrai. Et qui est de nouveau le mien. Ah ouais, là, c'est du lourd. Non, franchement, là, j'ai pas de mots. Là, c'est du très J'en trempe de partout. Bah, la mentalie, c'est là au lot, je pense. Oh. C'est enlève le brillant. C'est là au lot de la série. Ouais, ouais, franchement, oui. C'est pas mieux. Moi, bah, j'ai rien à dire. Enfin, niveau état, on va pas s'attarder dessus. Enfin, on est sur une qualité quand même qui est quand même assez ouf. Elle est largement au-dessus de loin, celle, mais ça, ouais, ouais. Ça a très propre. Celle qu'on avait ouvert. Ouais, parce que les autres, elles étaient très rayées sur Lolo. Là, Non, mais même au dos, t'avais les points blancs. Ouais, il y avait quoi, des Ça, le display était super propre. Alors, je sais pas si ça change, mais c'est vrai, nickel. C'est vrai, c'est super vrai. Propre, donc il a pas dû être trop bougé, tu sais. Allez, pour taper. Tu crois que Papy, il prend comme ça, il est scou. Bon, t'as vu les tronches des displays Aquapolis, toi, il y a de la terre dessus. Ouais, je sais pas ce qu'il fait avec. C'est vrai que les jungles, il y avait des traces sur les cartes. Allez, je laisse ma place pour continuer cette ouverture de malade. Allez, vas-y, Teddy, on est chez toi. Et c'est... Bon, ben... Bah, là, c'est dur. Là, ça va être dur de rivaliser, là. Là, si la display, elle est comme ça, jusqu'au bout, sur cette qualité-là, mais peu importe quelle carte que c'est, même si c'est de la Allez, Gimarie, là... un seul ébi. Ouais, les cartes les moins bien, je pense, c'est Typhlosion. Typhlosion Azumarine. Typhlosion Azumarine, parce que c'est les cartes du deck. Y a Donfant, ouais, c'est ça, celui-là dans le deck, donc c'est vraiment nul. Ouais. Il n'y a pas de différence. La Donfant qui est pas. Non, il y a pas de la qualité du deck est quand même très en dessous de la qualité ouais, du booster. C'est ça, la qualité. Après, il y a Donfant qui est pas ouf, mais qui est quand même une très belle carte. Ah, Donfant. Donfant. Bah, il sous-estime Donfant. J'adore Donfant. Non, mais dans les moins bien, quoi. Quand tu vois Mentalis. Ah, mais attends, on commence par du haut niveau. Fais gaffe, t'as une carte qui brille à la fin. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas ça. Alors, ouais, on a c'est un quand petit même énorme. Hein. Et 162 sur le live, on est. Zarbi. Nostanfer, je vois passer. Nostanfer, j'adore cette carte. Nostanfer obscur, mais il est pas commun lui. Elle est sublime. Ouais. Avec l'effet sur la lune. J'espère qu'on va la tirer. Pour le moment, l'ouverture est ok, on attend mieux. Ouais. on va essayer, on va essayer les gars. Merci Mathias. On attend mieux, parce que c'est un peu de la merde, j'avoue. Oh, on aurait pu commencer par Dracofeu, oui. C'est Zarbi. Vrai. Ouais. On a pu faire les brillants de rentrée, ça, on a gagné du temps. Marc Cacrin, t'as eu tout à l'heure. T'as d'énergie, même ça c'est dans les decks. Sont sublimes. Ça là est dans les decks. Oh,
C'est non, rouge regarde. À la fin. Ouais, mais c'était pas la fin, fin. D'accord. Je crois pas. Le Vénard, ouais, c'est clair. Ah, vas-y, peut-être. Peut-être que... Et toi, tu vas tirer Arcana que tu vas pas avoir. Arcana. Eh bah, c'est rouge, hein. Je crois que c'est la rare, ça. Vas-y. Oui, c'est rouge. Arcana. Le 12, Arcana ou Typhlosion. Arcana. Wow. Voilà. Alors, wow. Alors, 3 boosters. Et... Wow. Le délire. On arrête, on voit les lourds. Non, je rigole. Bah là, franchement, tu peux arrêter. Non, non, non. Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? Waouh. Mais regardez cette holo avec les roses. Mais elle est tellement... Ah bah oui, bah Arcana. Et elle est parfaite. Il hein. Y a rien de... Il n'y a même pas de point blanc. Un petit décalage de bord, mais vite fait. Wow. Sublime. Je vais mettre une pochette tout de suite. C'est ouf. Ah bah là, ouais, c'est compliqué de faire mieux. Quoi. Parce qu'en rouge, ouais, t'avais Dracaufeu et Arcanin, je crois. Il y a Typhlosion. Ah, il y avait Typhlosion. Ah, il y a Typhlosion. Et bah toi qui collectionne Arcanin par... Oui, bah il me la laisse. Il m'a dit, bah, si elle est ressortie, c'était cadeau. J'ai donné un peu de poulet tout à l'heure. Ah, bon, sublime. Tiens, je te laisse mettre un top. Wow. C'est un truc de ouf. Hein. C'est... Réellement, ouais, non, c'est le top. Il y a combien de lots? 16 Ouais, une quinzaine. Non, 16 je... Non, en plus, il y a les énergies. On n'a pas 18. Ah oui, il y a l'énergie aussi qui est très très belle. Un miracle. Mais je crois qu'en holo, on a les 3 meilleurs. On a 3 des plus recherchés en tout bah, cas. Je vois pas ce qu'il y a mis en fait. Bon, toi, tu veux 6 Ayox ouais. Non, les... Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Le Arcana, hein. Tu veux faire quoi de mieux? Bah oui, Pablo, c'est quoi ce délire? Bah c'est l'ouverture d'une box Destiny avec un tirage de ouf. Après il y a les brillants bien sûr, mais en holo simple, il n'y a pas mieux. Hein. Franchement. Non mais en qualité. Et quand même, Arcana. Je disais que Destiny c'était de la merde en qualité. Ah parce oui, que... moi aussi. Ouais. On avait vu. Même il n'y a pas de Silvering, hein, où j'en ai pas vu. Hein. Enfin, non, je crois regarder un peu mieux, mais on est vraiment propre. C'est quand même fou que Arcana, c'est la carte que je cherche le plus en ce moment. J'ouvre un booster. Ça va, le premier. C'est en mode tu la vois la carte. Ouais, donc Mathieu Sazolo, c'est bien ça. Merci. Et 8 brillantes. 8 brillantes. Ah franchement on a quand même un très très gros tirage. Là quoi qu'il se passe. Mais je sais pas ce qui se passe. Sans moi un petit tyrannosif. Là c'est Dracaufeu là, brillant là. Tu vois ah le l'obscur. Ouais. Ah magnifique aussi. C'est sublime. Laquelle tyrannosif obscur. Ouais, ah ouais, c'est la quatrième bien. Ouais, bah elle est là. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de bien quand même. Non, c'est un set qui est exceptionnel. En vrai, je pense qu'on a 7-8 au-dessus du lot. Hein. Mais là, on a eu peut-être les 3 top. Hein. Enfin, il y a Tyrannosif qui est quand même pas mal. Ouais, Tyrannosif. Il y a des molos obscurs aussi. Ah oui. Mais il y en a beaucoup. Ah ouais, j'ai dit, il y en a 7-8 vraiment aussi. Arcana il cote combien? Alors là, j'en sais rien du tout. Ouais, on parle pas de... Là, il cote ouais, 30 euros. Hein, je sais pas si je suis à la holo là. Je pense que... Peut-être encore une carte. Non. Ah ouais, il y a encore une carte. Forteresse obscure. Et... Quelle couleur? Peut-être la première brillante. Rouge. Rouge, la 7. Ah, ça doit être Typhlosion, ça. Non. Il y a un autre rouge. C'est pas là... C'est des molos, je pense. Ah, non. Bah oui, pourquoi pas, ouais. Non, Typhlosion. Non. C'est des molos. Waouh. Waouh. Bon. Ouais, bon. T'es content de ta venue, Romain? Mais j'étais déjà content de venir juste pour l'ouvrir, mais j'en suis d'autant plus. Hein. C'est un truc de ouf. Non, là, enfin. Et puis les cartes sont vraiment. Je crois qu'on se rend pas compte. J'enlève juste de la caméra vite fait, mais. Non, y a pas de. Non, là je crois qu'on se rend vraiment pas compte, mais de cette qualité-là et de ce tirage-là, on est quand même sur. Là, c'est sur du 10+ en vrai. On verra. Je ne suis pas noteur. Non, mais c'est. Regarde la carte, y a rien. Pas de silvering, pas de point blanc, pas de décalage. Le lot, elle est nickel. La qualité de la display, c'est un truc de dingue. Ah, mais c'est le jour et la nuit comparé à la dernière fois. Là, ça fait vraiment plaisir. Franchement, tu les rentres comme ça? Ouais, alors je les rentre à l'envers, ouais. Là, on est sur du lourd. Hein. Vincent, si tu tombes dessus, tu vas les reconnaître, les cartes. Hein. Elles sont parfaites. Hein. Magnifique. Il est beau, hein, franchement. Ouais. Entouré de sport de liane. Mais je crois que je vais... Oui. Enfin, c'est sûr et certain que je vais upgrade ma collection. Là. Parce que vu la qualité qu'il y a là... Bon, ben... Allez, un petit Dracaufeu. Moi, je sens bien un Typhlosion à The Marill. Le poisson, c'est... Allez, maintenant, autour de la merde. Typhlosion, c'est Ayox. Franchement, là, tu peux pas te plaindre. Hein. C'est la Typhlosion qui tombe, il tombe. Hein. Franchement, alors là, ils peuvent venir... Mais tu sais que... C'est difficile à avoir en 9-1.
un Tifosion sorti de cette display, je pense que ça peut être très intéressant. Les cartes sont difficiles à voir de toute façon, mais là, ouais, t'as vraiment le... T'as eu le Graal. Je voudrais pas me spoil, je voudrais pas abîmer les cartes. Ouais Mathieu, l'énergie est très très belle et très compliquée à avoir en mint aussi. Ouais. En fait tout le set, donc tout holo c'est bon. De toute façon l'ouverture elle est faite. Ah bah là, j'ai Caninos. Moi j'ouvre un display, j'ouvrais ça, j'arrêtais. Merci les gars. Il manque les brillants. Donc ouais, on pourra aller chasser des brillants même si on fait 4-5 heures. Mets dans la boîte. Ah ouais, et puis là je me spoil un peu. Excusez-moi, je suis un peu ému. Marc Acra. Moi je prends drague au feu. Comme dit Nasser, tu vas conjurer le sort. Mais moi, il n'y a pas de soucis, j'ai sort. Non mais à chaque fois que j'ai gagné là et qu'il ouvre une display d'un autre, il y a toujours du Zard qui tombe. Hein. Tout bah, le temps. Ouais, j'aimerais bien. Ça pourrait continuer jusqu'à la fin pour les miens. Porygon, elle est magnifique aussi. Elle est magnifique, Porygon. J'ai dur. Ah non, parce que là c'est en direct. T'imagines, et les brillants, s'ils sont dans la même... Ah ouais, même alors qualité, là par contre c'est ouf. Ça va être bien, là. Parce que là, il n'y a aucune carte qu'à 9. Hein. C'est plus que 9. Hein. Ouais, non, là, je suis d'accord. Le mentaliste, c'est peut-être le moins bien. Il y a un tout petit point là, mais... Mais bon, grosse qualité. Infect. Ah, ça sentira nocif. J'ai aucune idée d'où j'en suis. Il en reste encore une, je crois. Attends. Non mais je vois là, il y a trois. Ouais, t'as encore une monsieur. T'as encore une carte là. Stade de la chance. On est arrivé au stade de la chance. Ah. Allez, le suspense. Ouais, Tyrannosif. Tyrannosif ou Dolphin. Mais je pense pour Tyrannosif. Défense. Non, c'est Dolphin. Ah bah oui. Bah voilà, mais mon petit Dolphin chéri de moi. Bon ça va, elle est pas. Elle n'est pas dégueulasse. C'est une très belle carte aussi. C'est toute belle, parce que... Voilà. Fallait bien qu'à un moment donné, t'as un truc un petit peu en dessous, tu vois. Ah, tu peux pas avoir que du top du top. Hein. Tu vois, on peut pas avoir... Après, c'est une obscure, c'est... elle est jamais bien. Non, mais j'adore cette carte. Oui, en plus, mais je l'ai toujours... Que tu vois jamais. Exactement. Oh, chier, oh la vache. Et je tremble aussi, du coup. J'ose pas. Tiens, allez, tiens, Romain, vas-y, prends-la. J'ai l'impression d'ouvrir de l'Aquapolis. Niveau qualité. Non, ouais, non, mais niveau qualité... Tout est mint. Niveau qualité, tout est en parfait état. J'ai perso, j'ai jamais vu ça sur du. Ah, j'avoue que j'ai jamais ouvert le Destiny. Après, nombre comme ça, à chaque fois qu'on ouvre du Destiny, d'habitude, les boosters ils sont en loose et donc ça bouge beaucoup, voilà. Donc forcément les cartes elles prennent des chocs. Donc j'ai vu une question passer. Il y a une holo par paquet. Oui, parce que on a fait le tri avant sur les 36 boosters, on les a pesés. Alors c'est compliqué à peser, mais on en a isolé 12. Pour l'instant, on est. Et pour l'instant, on n'a pas fait de bêtises. On est à 5 sur 5. Ouais, c'est quand on va aller chasser les secrets qu'on risque de faire. De... L'avantage d'avoir eu des belles holos, c'est que tu peux tenter un peu plus. Là, tu peux te permettre d'aller un petit peu plus loin. Quoi. Tu peux, ouais, je pense que je peux me permettre 5-6 boosters. Ouais. Je veux pas abîmer les cartes, je veux pas me spoil. Je me répète. Je te fais peur. Non, je lisais les cartes. Ouais, je... Hop, viens, attends. Doucement, voilà. ...178 personnes sur le live. Merci. Zarbi. Pleine semaine, en pleine après. C'est pas mal. C'est Marc Acra. Un très beau score. Remored. Mimitos. Commune, pas commune, t'avais tout. Non. Non, j'ai pas tout, mais... Non, t'as pas tout. Porygon. On va finir les classeurs, là, c'est cool. Minus tourne grand mode coco sublime aussi. Tu peux aller encore l'énergie obscure. Encore une carte. Tu mets comme une ouais. Quoi dit. Non. Ammonita. Là, t'as la... Ou la holo, je crois. Ouais. Jaune. Ah, oh, sublime. Farampe.
Farampe. Sublime. C'est là. Sublime, ouais. Farampe. Ouais, alors, Farampe de Destiny. Ah oui, c'est là. Je ne vais pas remettre un nom sur la... Voilà. Je crois qu'il y a que des trucs bien. Mais franchement, il y a que des trucs bien. Après, Typhlosion, Azumarill. Parce que c'est trop bien. Non. C'est... Typhlosion, Azumarill, c'est parce qu'elles sont dans le deck et on les voit. Or, encore plus Typhlosion. Bien sûr. Mais c'est le même problème que le set de base édition 2. On envoie à Tarbas des holos, mais dans un état mint, il n'y en a pas. C'est le même problème. Spirouille. Non, qui dit Spirouille. Je sais pas. Il y a un Spirouli. S'il y a un Spirouli, je la prends. Hein. On l'avait dit. Hein. Tu avais qu'à repart avec deux cartes. Et pas les plumes, pas les plumes, machin. Non, mais sur le concours, il y en avait un avec un Spirouli, je crois. C'est ça. Franchement, quand même, je scotche. Oh, c'est quelque chose, Romain, que je... C'est très, 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 très beau. C'est magnifique. Bon ben, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus là de l'ouverture. Ça va Romain, t'es pas déçu toi? Moi je sais. On est à la moitié. Enfin voilà, dès l'instant qu'on avait tiré les trois. Enfin, t'as commencé, ça t'a déstressé. Ah ouais, quoi, complètement. Mentali, Arcanin, Dracolos, Démolos. Ah sublime. Sublime, sublime. Bon allez, là on va peut-être commencer à tirer de la brillance. Un truc de ouf. Ouais, il manquait pas. On devrait pouvoir commencer à tirer de la brillance. Allez. Allez, celui-là c'est un petit Cisaiox. Ouais, ça serait cool quand même pour toi, le petit Cisaiox, ça serait le petit bonus quoi. La cerise sur le gâteau. Ouais, franchement, même s'il n'y a pas de drac au feu, vu l'ouverture qu'il y a eu. Oh, drac au feu, c'est un bonus quoi. Ouais, alors là. Fait une chance sur 3 quoi à peu près. Et 8 brillants, on va en avoir 2, 3. Ouais. C'est une chance sur 3. Ouais. Allez, on est parti. T'es dit, t'as la ficelle de ton masque qui tombe. Ah, merde. Mini Draco, Girafaring. Remoraid, bon, on passe un peu vite sur les communes. Hein. Elles sont sublimes, mais... Combien de cartes, là, c'est... Caninos. Ça, elle est dans les decks. Je le vois souvent. Bon, je vois passer un petit commentaire sur les boosters ouverts. Oui. Je les garde, je ne les vends pas pour des raisons pratiques de receler, surtout qu'on les a très bien ouverts. Enfin voilà, ça c'est un ressentiment personnel. Il y a eu beaucoup trop de vols et c'est un véritable fléau et on les a tellement bien ouverts que malheureusement, voilà, j'en donnerai sur certaines ventes. Clairement, tu mets un peu de col en haut, c'est... Voilà, à certaines personnes de que je sais d'ultra confiance, mais il n'y aura vraiment aucune vente de booster de booster vide. Moi, je les vends, mais j'en ai plus. Il te regarde. Si jamais, je peux les vendre pour toi si tu veux. Attention. C'est maintenant ? Non, c'est après. Car j'ai pas eu lui. Quel coup. Allez, 3 étoiles. Oh, du psy. Oh. Eh ben, ouais, joli octoplasme. Là, on la voit plus quand même. On la voit plus, mais c'est beau. Elle est plus comme... Elle est belle. C'est beau. Coucou Romain. Romain Hilaire qui doit être content. Pas mal, mais pas mieux faire. On s'habitue. Non, sublime. On s'habitue, c'est pas mal, mais tu peux mieux faire. Ben, c'est là, on est en train de dire que c'est une des... C'est une des moins bien. Alors qu'elle est bien, très bien. Qu'elle est très bien quoi. Mais dans Destiny, il y a que c'est une des moins recherchées, mais c'est une des plus rares à avoir en mint aussi comme les autres. J'ai mon téléphone pour voir les cartes, mais mon téléphone est là. Allez. Collection Ecto. Non, vraiment, il n'y a pas. À part les deux. Ah, il y a du silvering un petit peu sur celle-ci. Il y a 3 points de silvering. Ah, vous voulez que ce soit sur celle-ci. Bon, alors toujours pas de brillant, bon quoi, de brillant. Hein. Ouais, c'était à prévoir. Hein. C'était à prévoir. Allez. Là, le brillant, je le sens bien. Non, en fait, je sens rien du tout. Non, regarde l'illustration que tu ouvres. Tyrannosif. C'est n'importe quoi. Là, t'es fait en avoir une dans un display. Ouais. Là, on se demande, qu'est-ce qu'il va y avoir en fait. Allez, quand on va s'allier, si on a de l'eau, t'es content.
Voilà, un gros solo, vraiment gros, il reste Tyrannosif. Ouais, il y a Tyrannosif, ouais. Après, j'ai peut-être une autre que j'oublie. Et je pense qu'on en oublie, parce qu'il y en a tellement des sublimes qu'on les a pas toutes en tête. Peut-être, mais... Alors, est-ce qu'il y a un quota de brillants par display? Il y en a au moins un, d'après... Au moins deux, au moins, enfin deux, globalement deux. On en avait eu deux. On en a eu deux, ouais. Entre Raichu et Tyrannosif. Ah oui, on en avait eu deux, exact. On a vu trois. C'est un peu comme Appel des légendes, hein. C'est entre 1 et 3, quoi. C'est random un peu. T'es sûr d'en avoir une, tu peux en avoir deux. Trois sur une française? Sur une française, non, parce qu'on n'a pas de recul. Ouais. En fait, on n'a aucun recul sur la française. C'est anglais, c'est pareil. Comparaison par rapport à la... Allez. On peut comparer avec l'anglais, c'est un peu la même box chose. Box US, ouais. Bon, on est à 197 personnes qui regardent. Je monte pas Lolo avant qu'on soit passé au 200. Ça trempe toujours autant des mains, mais franchement, on a... Elles sont tellement belles qu'on a peur de les abîmer. Hein. Non, mais dans celui-là, il y a Citadiox. Allez, moi, je veux 200 personnes qui like pour montrer Lolo. Il manque une personne. Ah, c'est bon. C'est bon, on peut regarder. On peut montrer, allez, c'est bon. Et oui, et je vois David qui dit, il y a Alligator aussi, qui est sublime. Ah oui, ouais. Non, mais c'est un... mais elles sont toutes bien. En fait, il y a des bonnes cartes. C'est vrai qu'il a accepté le deal, lui. Tu regrettes. Non, faut pas. Allez, quelle couleur? Ah mince, il y en a encore une. Oh mince, j'ai spoil. Ah bah, c'est une traîneur. Oh. Ah bah... Une rare, une erreur, première erreur. Ah, c'est du lourd ce que tu viens de sortir. un casque. Donc là, ça veut dire qu'on va arriver dans les brillantes. Dans la chance d'avoir une brillante. T'as combien de lots là? Deux. Et ça, ils sont dans l'ordre là? Non, c'est... On a quelque chose près. Parce que t'es lourd, quoi. Donc là, on a une grosse chance. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, quand on nous demande est-ce que le booster il est lourd, ça dépend. Vraiment, des displays. Celui-là, il aurait été vendu comme lourd et. Ouais, c'est pour ça. Et même dans les displays, c'est compliqué de toute façon. Bon, là, on sait qu'en fait, les brillantes sont dans les plus légers. Les plus légers, les plus lourds. Lourds. Les plus tu prends les plus légers et tu prends les plus lourds. Ouais. C'est compliqué. Là. Bon, t'es dit. Allez. Ouais. Bon, on a dépensé. Premier échec. Ah, dommage, t'as eu une rare. Retour de variance pour Romain. Il passe de Mentali. Aïe. C'est l'échec. De... C'est l'échec du joueur français. Allez, sinon enfin. En même temps, enfin. C'est un film. Ah bah là, tu peux pas. On avait tellement commencé fort, c'était compliqué de continuer. Bah, c'est la déception, clairement, mais on est conditionné, quoi. Je pense qu'on va annuler le live. Hein. Non, ce qu'on propose, c'est vraiment de la merde. J'en ai parlé à la présentation, voilà, on était sûr d'ouvrir au moins 3-4 boosters avec des rares, donc... Ouais. La dernière fois, on avait fait quoi? 3 rares. J'étais pas là, mais... J'avoue, quand tout ce genre de... Ben voilà. J'avais ouvert les 4 boosters que j'avais achetés aux US. Ah ouais? Ah, 4 rares. Mais au bout de la 3ème, je voulais voir ce qu'il y avait dans le 4ème. Si on sait jamais, de toute façon, mort pour mort. Hein. Et on est plus de 200 maintenant. C'est incroyable. Allez. Petit Arby. Un Stylix brillant. Il me la manque! Ça va. Eh bah, une de moins, une petite peu commune. Fenard. Allez. Non, il a encore une. Je crois qu'il a encore une. C'est pas la rare, ça. Non, c'est pas la rare. Attends, on va avoir peur de tirer une rare. Attends, on va sur ce livre. Je crois que celle-là, c'est la rare. Là. Allez. Ouais, là, c'est la rare. La rare? Non, c'est une brillante. Là, on regarde bien les 3 étoiles en bas. T'as les 3 étoiles? Là, juste là, il y aura 3 étoiles. Hein. Regarde, il y a les 3 étoiles? Là, regarde, ça va arriver. Là. Il y a les 3 étoiles. Non. C'est la 8, c'est Nolo en tout cas. Togetic. Ah ouais, magnifique. En blanc, il n'y a que ça. Ouais, non, mais là, je sais pas. Mais si, c'est ça, je pense. Courbatec. Bah, je pense que c'est ça. Non, Porygon. Ah, c'est Porygon. Ah, elle est belle aussi. Hein. Elle est belle. Ah, de toute façon, il n'y avait pas de moche. Hein. Regardez-moi ces couleurs. Mais elle est vraiment moche. Hein. Franchement, c'est de là, quoi, je sais pas, faire un don. Regardez, enfin, l'arc-en-ciel de couleurs, le rendu des couleurs, il est juste très belle. Moins apprécié, parce que c'est un Pokémon moins apprécié, mais très belle. Ouais, je préfère Porygon que Togetic, moi, personnellement. À choisir. Moi, je suis incapable de choisir entre eux deux. Honnêtement, ouais. Et l'état, bah, il est parfait. Ouais, c'est dans la continuité des choses. Petit décalage de bord, mais pas pris en compte, je pense. Mais niveau des poids, oui, là, on est dans l'ordre.
C'est bien pour dire que les boosters lourds, mis à part sur du set de base ou du jungle, c'est compliqué. Bah, le set de base, quand t'as le plus léger et que c'est un lourd, tout est lourd autour. Ouais. On n'a toujours pas de brillant. Mais il faut voir le display quand même pour être sûr. Ah, mais il reste 3 boosters. Hein. 3 boosters, 3 brillants. Hein. Je t'en souhaite déjà 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 8 holos déjà. De toute façon, vu le display, à mon avis, il y a Dracofeu. C'est forcé. C'est forcé. Après, peut-être qu'il n'y a pas de brillante. Hein. Ouais, bah je sais pas. On a tellement pas de recul sur le français que... Même s'il n'y a pas de brillante, tu vas tout péter. je pense qu'il y en a au moins une. Quoi. Tout sauf un. Enfin, soit c'est aussi mieux d'avoir une brillante ou d'avoir ce genre de lot. Ah non, franchement, je préfère les holos, moi. Largement. 6 armies. Donc tu peux avoir une holo plus une brillante dans un booster. Non, c'est impossible, ça. Non, parce que les brillantes remplacent les holos. C'est pas comme les rivers des nouvelles séries. Allez. Oh. Il reste encore une, je crois. Ouais, il reste une. Ah, magnifique. Chenipan. Non, mais on voit le détail de l'illustration, n'empêche. Enfin, le gros doute, De toute façon, tous les obscurs et tous les lumineux, ils sont belles. Il y a eu un travail sur cette série qui est quand même bon. Et Nassim qui insiste. Si, tu peux avoir une holo, une brillante. Non, Nassim, tu dis des conneries. Pour moi, c'est ça dans un film, toi. Pour moi, c'est impossible. Tu la joues comme ça. Les trois étoiles. Rouge. C'est rouge. Il y en a qu'une. Tiflosion. Là, c'est Tiflosion. Oh, ah bah non, c'est encore pire. Ah, ça veut dire que là il y a de la brillante qui arrive, hein. C'est toi qui vas les tirer. Bah pas forcément, parce que c'est bien que t'en as de côté aussi. Bon bah il est joli quand même, hein, mine de rien. Elle serait belle en holo. Hein. Ah oui, elle serait belle. Du coup, pour faire un checkpoint, là il reste 2 boosters sur ceux qui ont été sélectionnés, sur les 12. Ouais. 2 boosters à ouvrir. Ouais, et après c'est et ça. Donc il y a eu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a eu 8 holos et 2 rares. Ouais donc... Ça sent la brillante là qui arrive. Après, t'es pas obligé d'avoir 12 holos, hein. Enfin, je pense. Parce que moi, dans Aquapolis, j'avais vraiment tout pété et j'avais eu 11. Brillant compris. Cristal. Ouais. Bon, je pense que dedans, là, il y a deux brillantes. On va péter peut-être un ou deux. Pour moi, là-dedans, il y en a. Je refais un checkpoint vite fait. Ouais, vas-y. Donc c'est pas un checkpoint, c'est un checkpoint. Un check petit point. C'est dur, on y a cru. Bah ouais. J'avoue, c'était rouge, j'aurais cru à Dracofeu, vu qu'on avait des nouveaux CR canin. Là t'as deux brillants. Dracofeu, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Il y a une grande chance que t'aies une brillante. Je suis vraiment pas bien. C'est quoi les meilleurs brillants à part Dracofeu? Ouais, la moins bien, ça va être donc les brillants sont appelés les triple stars, ouais. Et les holos 3D, ça. Ah non, mais c'est sûr, t'as déjà vu le Stylix brillant qui ouvre, mais c'est brillant, ça veut dire shiny à la base, hein. Mais je trouve pas shiny, moi, ces cartes là, ouais, je sais pas, c'est des holos 3D. Ah, mais brillant, ça veut dire shiny, la traduction français, ouais. En anglais, c'est écrit shiny dans la charlita. Je sais pas, je les trouve pas très shiny. Ma choc. On sent la tachycardie de JP en live. Ah non, mais... C'est pas pour lui, mais... Scorplane. Attends, peux-tu compter, s'il te plaît, hein. J'ai pas de bien, là. Non, t'inquiète. Ah ouais. T'as combien de semi-communes? T'as pas de semi-communes. Il y a 3 peu communes. Tu me dis stop. Hein. Ça, c'est quoi? C'est une commune? C'est une commune. Ok, donc là, t'as 3 cartes avant le 3. Vous pourriez partager les poids, je sais pas c'était quoi les poids des lourds. Au-dessus de 2068. Mais voilà, au-dessus de 2068, mais attention, ça dépend aussi des displays. Hein. Ça dépend de la display, donc. Vous pouvez tomber sur un display ou c'est 21 ou c'est 20-40. Psycho. Psycho quack. Et donc c'est celle-ci, c'est derrière. Non, il est encore là. Il est encore pas mal derrière. C'est bon? Non. C'est celle-ci? Non. Il y a au moins 3 cartes encore. Ah oui, excuse-moi, c'est comme une voix, je suis à l'ouest. Donc pour ça y est. C'est. Notre coco. C'est toi qui as tiré la première brillante la dernière fois, tu nous fais la même. Et 210 sur le live, hein. Franchement, merci. Bon, ça va être derrière, quand c'est pas celle-là, bien sûr. Waouh, elle est magnifique aussi, celle-là j'aime beaucoup. Gros doudou obscur. Donc elle est derrière, on est d'accord? Non, t'as encore 2 cartes là. Sûr. C'est épais. C'est épais, ouais.
Je sais plus. C'est... Vas-y, t'as celle-ci, c'est rentré derrière. Ok, ok. Je vais faire ça. Voilà, un petit zarbé. Et Dracofeu. Je sens que... Je sens qu'il y a Dracofeu dans le display. Et là. De ouf. Et là. Peut-être pas là, mais il y a Dracofeu dans le display. Et là. Mewtwo brillant. Sans moi, Mewtwo brillant. Non, c'est non. Violet. C'est une rare. Ouais, c'est rare. C'est un truc de ouf. Regarde. Je l'avais pas déjà tiré celle-là, Roi Gada. Oh, c'est possible. Ah, si, il me semble que c'est Roi Gada. Oh, c'est un truc fou, de ouf. J'ai violé, on dit c'est Mewtwo, mais c'est... non, c'est pas lui. Mais non, ça ressemble un peu, mais pas trop. Ah là 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 là, le teasing, le teasing. Waouh, waouh, waouh. Ouais, là, tu vas en péter un peu, là, je crois. Si tu veux vraiment ta brillance, là. Mais même, il manque des zolos, parce que 2, 4, 6, 7, on a 8 zolos. La dernière fois, on avait eu 8 zolos avec le brillante. Brillante inclus. Ouais. Et là, t'en as 2, 4, 6, 8. Donc, je vais mettre... Ah, c'est terrible. Quand tu t'attends à quelque chose et... Là, je m'attendais pas à une rare, perso. Hein. Non. Bon, je vois le quota. Il en reste 3 derrière, donc un chacun. Putain, ça me ferait chier qu'il n'y ait pas de bruit. Il y en aura au moins une. Quoi. Un Dracofeu, on en parle pas. Là, je change de... Vous allez comprendre tout de suite. Je change de... On change de tactique. Tu la mets sous slime. Tu la mets sous slime. Tu regardes pas, hein. Non, je regarde petit pas. Filou, là. Vous allez comprendre parce que... Voilà. C'est une technique que vous allez retenir. La mettre sous sleeve d'abord. Non, il n'y a pas qui font ça. Moi, t'es sûr ouais. Que... Ah, mais là, c'est... Ça, c'est... Là, 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 on va tirer un truc. L'imagma. Puis là, je peux le faire en toute détente. Presque display à zéro brillance. Goopix. Honnêtement, on a tellement pas de recul sur le français que... Zarbi. Peut-être que t'as des meilleurs solos quand t'as pas brillant. Regarde Aquapolis, t'as jamais brillant. Moi, j'ai pas de Cristal. Par contre, t'as une Octalie à chaque fois. Puis regarde là. C'est possible. Hein. Peut-être qu'ils ont fait ça à l'époque. Ça. Ça me paraît très bizarre qu'il n'y ait aucune quand même. Bon, on tire un brillant, un seul brillant, un brillant, je pense qu'on arrête. Ah putain, même dans le fond, depuis la fois, ouais. C'est bien, on referme ici. De toute façon, là, tu peux y aller. Hein. T'as pas mmh. Ouais, non, là, je suis en toute détente, je suis bien. J'ai envie de regarder avant. J'ai trop envie de regarder. Bon, l'heure est grave. J'ai envie de regarder. Et 215, ça va être. Waouh, c'est un sketch. Bon là ça craque, j'ai envie de dire. Ouais mais ça n'existe pas un display à 8. Non. Non, non, c'est pas... Il y en avait beaucoup qui avaient... Ah oui, il y en a beaucoup qui sont... Potentiellement, il y a tout ça à péter. Hein. Donc ça en fait. Hein. Donc là, on va péter... Merde, mince. Ces trois-là, et potentiellement, il y a tout cela à péter derrière. Entre cela mais là pour l'instant, on se trompe pas. Et si t'as les trois brillants là-dedans, c'était la peine. C'était quoi? T'étais à 20-60, 20-61, 20-62. Là, on est sur du 20-62 et les plus légers, ils sont à 20-60. Ouais, ça joue... Et après, on descend à 20-56. C'est trop... C'est impossible. C'est... Là, c'est la chance, parce que... Ah là 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 là. Sick. Mais vas-y, ouvre-en un autre, tant que t'es devant la caméra. Ouais, bah, viens. Okay. Allez. L'erreur du joueur français. On est trop bien commencé là. Ouais, là, on s'est déconcentré, je crois. Merde. On va pas rester focus. Et du coup, il y a que voilà, il y a des volcans au pôle. Des... Mais du coup, le Zarbi, c'est 1,50. Tiens, je veux bien que tu refasses la même discrètement. Je suis beaucoup plus à l'aise. Un plan. Il n'y a pas de point sur celle-ci alors que l'autre, il y avait un point. On m'avait toujours dit que Destiny, c'est catastrophe l'état des cartes. Je suis choqué. Ouais. Ça dépend vraiment du display. Mesh Scorplane. Excuse-moi. Ok. Courrier de Léo. Au cheval qui tire de rare. Merde, c'est toute ma vie. Pomme de pique. Fenard, tu l'as, Fenard. Tu vas la choisir, hein. Tiens, mets-la sous sleeve quand même. Je choisirai la meilleure des deux. Il y a Nicolas qui dit, imagine le gros fait que la brillante est dans le booster offert. Ah, pour le coup. Ah, mauvaise action des Team Rocket. Ouais. Team Rocket. Ah bah c'est Tyrannosaurus du coup. Enfin, les Team Rocket.
C'est plein d'obscurs, ça, tu m'inquiètes. Oh, Bagnolo. Et voilà. Et voilà. Alors là, dans les légers. Et ben, on va chasser. Hein. Bah, c'est toi, hein, ouvre tout. Non, mais on voit. En fait, voilà. Voilà, là, c'est une belle illustration. C'est magnifique. Enfin, c'est une belle illustration de ce qu'on disait tout à l'heure, pardon, en plus. Ouais, non, mais j'avais compris les deux sens. Mais, voilà, ben on va chasser. Hein. Donc, comme quoi, voilà, arrêtez de vendre du lourd, du léger, c'est... Le lourd, c'est vraiment compliqué. Et... Là, on est dans un léger. Là, tu l'aurais vendu comme léger, en vrai. Si tu avais eu la différence. Oui, clairement, oui. Et... Bah, une belle carte, en tout cas. De toute manière, à partir de fossiles jusqu'à fossiles, c'est assez facile. Ouais, je suis d'accord. Après, à partir de roquettes... C'est une catastrophe. Mais souvent ça dépendait de la display, mais là on a ouvert la display directement, elle était scellée, donc on aurait dû pouvoir bien trier, et bah c'est même encore pas. Plus facile. Et bah même pas. Je vois pas de spirouli hein, par contre. On l'a pas regardé, bon. Mais peut-être qu'il y en a un, hein, ça fait une carte. Allez. Tac. Bon, Thalie, y a pas de spirouli. Allez. Ça va être quoi là? Bon, ça fait plaisir d'en voir une lot quand même. Hein. Ouais. Ça fait combien de lots du coup? On a 9 avec celle-ci. 2, 4, 6, 8, 9. Ouais. 9, 10, 11, ça ferait 11 si on tire 2 brillantes. Il te manque, il te manque au moins 2 cartes. Hein. Moi je suis comme toi. Hein. Ça serait le mien, moi je joue. Ça fait chier parce que c'est... Ah bah t'es obligé d'aller voir si 200 en booster, c'est quoi 200 balles 200 balles une rare, ça fait c'est dur. Mais... Sachant qu'on est sur... Mais moi je vais jusqu'au bout. Hein. Moi mais Aquapolis, c'est quand j'ai été rentré de chez toi, j'en ai rouvert derrière. Quand je suis rentré de chez toi. Pour être sûr, bah, j'ai eu une holo. Mais moi c'est sur la Sky Ridge aussi. Bon. J'avais eu une holo et j'avais eu Sukune. Donc j'avais pas regretté d'en avoir pété 3-4. Mais dès l'instant qu'on trouve des holos dans les plus légers, forcément ça met le doute. Hein. Je m'étais dit, c'est bizarre qu'on ait que 10, il y a un problème. Il faut une grosse carte. Non, Romain, Rechou, il est déjà sorti le dernier coup. T'as pas... Je réserve. C'est pas ce qu'on cherche. Hein. Non, là, c'est Rechou, ce serait... Bah, ce serait bien. Ce serait... Non, ok. Ouais. Non, c'est que j'ai pas fait comme toi. Ouais, t'en as encore une. Allez, les trois petites étoiles. Mais tout. Non, c'était pas la dernière. C'était la dernière. Mais... Allez. Bon. Lanterne. Eh ben écoute, hein. C'est ce qu'on appelle une ouverture qui va durer longtemps. Moi j'aurais dit c'est ce qu'on appelle une ouverture de merde. Ça va durer longtemps, les gars, c'est pas bien. Ah putain. Ah ça aurait pu être un draco en plus, merde. Ouais, c'est vrai qu'il y a un draco. 3, 4. Attends, on est évolution, il y a Montali, Aquavis. Ah, il y a Voltali aussi, je crois. Ouais, elle est belle. Ouais, c'est vrai, on va pas être Spirouli non plus. Ouais, il y a les trois en fait. Ouais. La Voltali, c'est la plus belle, je trouve. Avec le petit de ghetto. Ouais, donc là, pour l'instant, on est à 14 boosters d'ouvert. Ouais, c'est ça. Ouais. Et 14 holos, 5... 14 holos. 9 holos, 5... Et on a eu un display à 25 holos. 9 holos, 5... On a eu 5 arcanins. Mais là, moi je peux vous le dire, là il y a une brillante, c'est sûr. Ouais. Ouais. T'as tiré Arcanin, tu tires Draco Feu, toi. Non, et là, c'est pas Draco Feu, c'est Mewtwo. Là, je sens Mewtwo. Ou alors tire un aussi, j'hésite. Je dois bosser un peu, accélérer. C'est surfait le travail. On n'avait pas eu lui, je crois. Non. Il est joli. Mais le vénard. Est-ce qu'il me reste une carte là, je sais pas. Si, il me reste une carte. Oui, les arbis, on ne sait jamais. Il y a quasiment tous les arbis. C'est 6 Aiox. C'est 6 Aiox. Un peu. Voilà, là. Et puis celle-là, on l'a déjà eu. Tu l'as déjà eu. Putain, j'ai cru. Franchement, avec l'ombre, on a c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon. Ouais, c'est... Ah, c'est un truc de dingue. Ça n'existe pas, ça, ici. Il n'y a pas de brillant. J'en sais rien. Tu mets un top pour les rares aussi. Ouais. Ah ouais, je prends du mine comme ça. Soit on pèse tout, soit tu continues, j'espère. Bon, ça reste sympa. Mais... C'est vrai qu'en rare, tu aurais pu avoir des plus belles rares. Qu'est-ce qui est marqué? Parce que quand c'est comme ça... Ouais, c'est 133, hein. C'est écrit ça de tout Wizard.
Oh, celle-ci, elle est ultra lourde. Ah bon? Tu l'avais raté? Je sais pas, on va voir. Je sais pas si on peut voir, mais... Il écrit quoi? Ça, juste pour montrer, en fait, ici, voilà, c'est marqué... Mais sinon, faites un récap des zones, je refais une pesée. 1,53. Répartition des cartes holographiques, environ une sur 33 cartes. Ouais, donc ah bah gros, ça veut dire 11. Ça veut dire 11 ou 12. Ouais. Et là, on est à 9. Non, donc 33, c'est 12. Oui, mais ça, c'est déjà arrivé. Ouais, et c'est environ. Voilà. Parce que j'ai déjà eu un display avec 13 volumes. Aussi. Oh, ouais, c'est environ, mais là il doit y en avoir d'autres quand même, parce qu'on est... 3, 6, 9, il en manque. Allez-y, faites un petit rêve, ouais. Désolé. Non, on va faire un petit rêve. Donc, voilà. Débarras. 1,50. Donc, merci Romain pour cette ouverture. Multi-Explo édition rare. Hein. Bon, 2,50. Hein. Prête pas un cul. Bon, attends, en brocante, tu trouves ça 10 centimes. Multi-expédition. Volcaropode obscur en rare. Lanterne lumineux. Bon, même si Volcaropode, je ne sais pas. Je sais pas. Le Zarbirar. Roi Gada. Je pense que... J'en ai deux qui sortent un peu du jeu. Mais tu vois, regarde, là c'est ça fait, hein. Togétique, lumineux. C'est à tout gravé. Porygon. Mes os fera. Ouais, mais. Mes os, tu vas partir. Oui, tu auras des bonnes notes. Hein. De plasma. En fait, c'est grâce aux euros que je peux me permettre ce que je fais là. Phare en obscur. Ouais, puis c'est un kiff, ça. Oui. D'enfant. C'est quelque chose, hein, quand c'est neuf comme ça. Ouais. Dracolos. La gueule. Comme on dit. Est-ce que j'ai pas l'air, ce que t'as dit? Ouais. Il va faire un autre contrôle. Il va vérifier. C'est de l'impro total. Bah, c'est pas de l'impro, c'est que on a pré-pesé, mais c'est là je suis en ligne. Hein. Mentali, c'est quand même quelque chose. Merci. Ah, il a un Spirouli. Ça y est. C'est vrai ? Ouais. Ah bah c'est bon, c'est pour nous. Ouais. On se la partage. Là, tu le vois bien là. Un Spirouli, ça. Je vois pas là. Il est caché le Spirouli. Où tu vois un Spirouli, tu l'as inventé là. Là, regarde. C'est une fleur, ça c'est pas un Spirouli. Non, mais là, regarde, tu reviens là. Non, il y a... c'est un petit rond. C'est un Spirouli. Un bébé Spirouli. Hein. Un bébé Spirouli. On va t'en bébé. Bon, Arcana, magnifique carte. Voilà. Pokémon aimé par beaucoup de gens et c'est normal. Ouais, tes pochettes. Ah oui, c'est pas là. Bon, on va faire un petit... Voilà, on va vous montrer quelque chose. Voilà. Il tease, voilà. Il est en train de teaser. Je suis en train de teaser, là. Voilà. Je sais pas si ça parle à des gens. Bien sûr que oui, ça parle. Peut-être pas tout le monde, mais... Voilà. Il va y avoir de jolies choses à ouvrir. Plus de la moitié d'édition là. Bon, finalement on va ouvrir. Alors, du coup, on vous annonce, c'est pas sûr qu'il y a un booster offert du coup. Il va tout ouvrir. On va tout péter en fait. À la limite, il peut offrir un multi-masque, un multi multi-ex, là, je sais pas quoi. À la place. C'est chaud quand même.
En tout cas, je sais pas si c'est la dernière fois qu'on ouvre un truc comme ça, mais... Il y a des chances. On peut pas dire que c'est la dernière fois, parce qu'à chaque fois on dit ça, tu vois. Quelques mois plus tard, il y a un display qui se ramène. Mais... Ah ouais, t'as raison, il y a un mini Spirouli. Mais bien sûr qu'il y a un mini, c'est un bébé Spirouli. Allez hop. C'est ça. C'est trié dans l'ordre de poids. Ben oui, Chris Tobel. Quoi, franchement, les holos, quoi. Ben vas-y, ouvre. Moi, je prends tout. Hein. Ah ben, y a rien acheté. C'est à toi, Romain. Ouais. Allez. On va commencer. C'est trié par ordre de poids. Bah vas-y. Je donne ça comme limite. Si on trouve favori, on va arrêter. Ouais, alors, voici les limites de Romain. Voici les limites de Romain. Il a gardé un booster hein, pour le tirage au sort parce que c'est quelqu'un de réglo quand même. C'est pour ça. Sinon, ouvre tout, puis je t'en vends rien. Donc concrètement, il reste. On a ouvert 9 holos, il y en a forcément au moins 2 holos. 5. Ou 2 brillants. Ouais. 3, 4, 5. Il y a 7 boosters. Supplémentaire, c'est un truc de ouf. Romain, vas-y. T'as la voix brillante parce que là ça va me coûter. Ah oui, mais bah, l'idéal ça serait d'en avoir 8 dans le premier. Après tu réfléchis au moins si j'arrête. Parce que... Allez, dans les 2-3 premiers, hein. Bon, désolé pour cette petite attente, on a perdu un peu des visionnages. Ah, on va faire ça tous les jours. Bon. On était tout joyeux au début, là. On est en dépression. Ça montre que c'est pas aussi facile que ça. Hein. Si tout était facile. Ouais. Nasser, j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Ouais, bon. Et du coup, vous tentez l'ouverture sans brillante. Ah non, ouais. Challenge, je n'ouvre pas de brillante. Il y en a eu combien d'ouverts là pour l'instant? On a 9 follow là. En tout, on a ouvert 14. 2, 4, 6, et tu pousses 6, à 21 10, dans... 14, on a 15 boosters. On a 15. Donc là, c'est le 16e. 16e booster. Bah, les légers, en fait, ils vont coûter cher. Non, on perd pas espoir, c'est un peu sick, hein, mais de toute façon, ces boîtes, elles sont... Allez. C'est là? Ouais. Allez. Au moins une holo. Moi, je veux pas faire de suspense. Oh, un seul kit, mon pote. Allez. Il en manque une. C'est un truc de ouf. Je suis chanteux quand même. La seule qui me manque. C'est normal. On a préparé quand même un coup, je pense, mais ouais. Là, c'est du lourd. Ouah, punaise. Et là, il y a un gros trait derrière. Non, mais je sentais parce que le coin, il me semblait qu'il m'accrochait dans la main. Mais en fait, non. Voilà, c'est juste un petit... Ça a une autre gueule encore. Ça a une autre brillance. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Je sens le brillance, un soulagement quand même. Hein. Ouais, ça aurait été dur. Là. Ah. Allez, en temps normal, la personne qui aurait eu ça, elle aurait été déçue. C'est pire. Lui est carrément content. Oui. C'est une délire, en vrai. Mais c'est pas grave, c'est pour la collection. Tellement belle. Ah, je suis content. C'est bon, je suis apaisé. Ouais, c'est normal quand même, mais c'est psychose quoi. Voilà. C'est normal, mais ouais, fallait quand même la sortir. Bobom. Allez. Dire, du coup, on a quoi? On a 9 plus 1 là? Ouais. Ouais, ça fait 10. Tu continues du coup? Vas-y. Ouais, continue. Moi, je veux de brillant, hein. Ah la vache. Moi, j'avoue que je sais pas si j'aurais continué là. Puis en même temps, c'est dur de te dire. Bah, ouais, en même temps, ça. 10, c'est... Ah, y a un problème. Il y a un problème, 10. On arrête à la prochaine bulle. Tu serais à 11, je t'aurais dit là, arrête. Bon, bah on continue. Ouais. Un tir à la Oh, moi, si tu tires une brillante, je pense que tu vas avoir le... C'est quoi? Si là, il y a une brillante, il va tout péter. C'est logique, hein. Ou là, si tu tires le holo, il va... Voilà. Ouais, je crois qu'il va tout péter, quoi qu'il arrive, là, je crois. Enfin, pas loin, en tout cas. Enfin, dans ça, en tout cas. Ouais, par contre, c'est... Mais c'est pas de la chance de tirer une Warthog. Ah bah là, c'est... Non, il a cherché la chance. Hein. Tu la cherches. Il l'a provoqué, là. Ouais. Mais les brillants, on sait, c'est ça qui est chiant. C'est comme les stars dans le bloc X. Hein.
priori, c'est pas dans les lois. Si. Je sais pas. Hein. J'ai tiré un alakazam dans les lois. Ouais, mais regarde, t'as pu tirer un brillant dans les lois aussi. Ah oui, aussi. C'est complètement aléatoire. Avec tout ce que j'ai ouvert en bloqué, que j'ai jamais eu de star. Non, mais c'est complètement aléatoire. C'est complètement aléatoire. Enfin, en fait, on arrive dans des poids où... Ouais. Bah, on le voit, hein. On a tiré combien de légers avant de toucher celui-là. Ouais, clairement. Oh, ça soulage quand même, ça fait plaisir. C'est pas à moi, mais j'ai l'impression que c'est à moi, tu vois. J'étais en stress pour lui. Ouais, c'est clair. Non, ça soulage parce que ça voit qu'on s'est pas trompé non plus quand même. Et la dernière. On sait un peu de quoi on parle. Champagne ou pas? J'ai du champagne. Hein. Non, mais c'est une rare. Coxyclac. Voilà, t'as dit. Au moins, t'as eu un Pokémon. Plutôt que le casque machin. Bon, de toute façon, tu sais que... Voilà, tu sais que ça va être souvent nul. Hein, donc, Alors, on est à 9 plus 1. 9 plus 1, c'est ça. Hein. On est à 10 holo. Non. En comptant la brillante, on est à 10 holo. Ok. Je l'ai eu, c'est le principe. J'ai pas regardé l'état. Il va avoir un autre qui sera très bien dans la position. Il a touché. Oh, j'ai des cartes, j'ai vraiment parce que je les ai touchées, c'est pas pareil. Quoi. Ouais, c'est clair. Ah. Tourne-grain. Ça, autant, regarde, t'es dans le deck, Fantominus aussi. Et on n'a pas eu de carte de deck? En holo. En holo. Non. Est-ce qu'il est déjà Quack. C'est fort quand même parce que sur 16 holo, t'as une grande chance d'en avoir Scott une. Lane. Gros doudou. Ah, ouais, sur les holo, t'es bien. Donc, il y a une coco. Fort et très simple. Ça demandait beaucoup là. Allez. Ah là. Et donc une doublon rare. Zarbi. Donc moi j'ai tiré 3 rares quoi. Tu peux arrêter de venir, s'il te plaît. Je passe mon tour. Par contre, ceux-là, ouais. Ouais. Tu toucheras pas. Je les ouvrirai tout seul. Oh, pas sorti de l'auberge non plus sur cela. Moi, pour le stress. Ouais, tu vas stresser jusqu'au bout. Parce que c'est... On va en parler après. Hein, mais c'est... Ah putain, j'ai plus de batterie. Oh, il n'y a plus de batterie. J'avais 60%, ça va vite en hein, canard. Bah, sinon, j'en rate le feu. Hein. Allez, on va activer un peu. T'as pas de... Bah si, mais là, d'après, j'avais pas. On active un peu, au pire, on changera de téléphone. J'aurais dû charger à fond, non, je peux penser. On n'est pas là pour enfiler des perles. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas là pour tirer les brillantes non plus. Ah, Tignon. Allez, on y croit. Il devrait garder le reste. Ouais. Ah, oui. Non, mais il y a forcément quelque chose qui brille. Celle-ci, elle est belle. 10, moi, j'y crois pas. À 10 au total, j'y crois pas. Et... Bon, elle est belle quand même. Très belle rare. Ça c'est le grand maître, il me semble, non, je me trompe, Oui, Arita. Voilà. Tu mets ça en holo, ça explose. Hein. Ouais. Elle a mérité d'être en holo, cette carte. Ouais. Il y aura plus de batterie, Nasser, le temps que t'arrives. De toute façon, quand il y a 5%, ça s'assemble. Ouais. Bon, bah, il en reste 3. On continue. Mais bien sûr. Mais c'est pas à moi alors. Ah, on continue. Ouais, ouais. Je le sens pas bien pour lui donc après ça paraît. On a 10 bonnes cartes là. 10 holo. Ouais, ça paraît pas beaucoup quand même. Parce que moi je pose la question à Teddy, on continue, il me dit ouais, et puis Teddy me pose la question, on continue, ouais, vas-y. Allez, on enchaîne. Je pense que le Dracofeu va tomber, oui. Non, n'importe 10, quoi en fait. J'y crois une pas, holo, une brillante, n'importe laquelle, mais qu'on en termine. Allez. J'ai pris deux cartes. J'accélère un peu, on a vu tout ça. Je crois que c'est là. Ouais. Non. Non. Et un Zarbi.
Un plus. Bon, il reste deux boosters, et puis s'il n'y en avait pas, tant pis. Hein. Oh, bah, ouais, ouais, bah, ouais, après c'est le jeu. Par contre, on ferme les autres, hein. Les légers. Après, légers. Moi je serais toi, s'il y a vraiment ta d'isolo, je porterais, je ferais une lettre à Blizzard. Tu apporterais comme faire un litige. À Charenton. J'ai eu que Arcanin et tout. C'est quoi, c'était de merde, il y a que Mental dedans. Tu veux ouvrir le Norfang un dernier? Non, vas-y. Ouvre ce que tu as. Ok. Allez, voyons là-dedans, si on ouvre, ouais, je vois pas gagner quand même. Ok. Ouais. Non, mais il y a une idée, c'est bizarre, 10, ça paraît léger. Ah, ça me paraît léger. Hein. Ça me paraît léger quand même. Mm. Putain, j'ai du mal. Juste à compter ça. Ouais. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. On va voir là. 20 boosters, putain, on en revient 22. Oh. C'était à 10, je crois. 2. À 9 followers. Pomme de pique. Bon, ah, un peu plus de temps à se rentabiliser. Magnifique Tignon. Nanaf. Oh, il y a un méchant trait. Il y a un méchant trait? Mmh. Oh, sur un drac au feu, ça va. Hein. Feu, ça passe. Ça passe. Hein. Spectrum, stade de la chance, stade de la chance, et là on va y aller direct. Oh là là, oh putain. Il y a trop de larmes. C'est pas vrai, ça. Je crois qu'avec les armes, on peut écrire drac au feu par contre. Si tu prends toutes les cas. On va bien avoir un B, un R. Ah, le sketch. Bon allez, on va finir. Allez, termine. On va finir par la dernière rare et puis voilà. Vas-y, on va. Allez, hein. J'ai pas trop de... T'as combien de batterie? Non, ça, quand on est vers 5%, ça va s'assombrer. Allez, on va aller vite. Puis voilà, c'est le jeu. Hein. Les armes, par contre, il y en a plein. Ouais, par contre, c'est... Ouais. Vous comprenez pourquoi les brillants sont aussi chers en PCA 9 et plus? Ouais, clairement, là... Et un Barbie, t'as aucun doute dans les rares. C'est 4 rares différents. Ouais, ça, c'est cool. Je sais pas combien il y en a, mais... Ah, allez. On l'a vu, celui-là. Mais écoute, Thibaut, j'espère que t'as raison. Ouais. Merci, Jean-Mi. Il a donné le numéro de Wizard. À Charenton. 20 ans plus tard, tu sais, j'ai ouvert un display. Il manque des, bah, écoutez, je peux rien faire, mais j'ai ramené chez moi des box Neo, je savais pas quoi en faire. Le dernier booster, ça serait beau. Attends, un coup. Bon ben, et s'il y a pas, s'il manque une brillante, je vais vendre les boosters légers au prix des lourds. Et vous allez tenter le drac au feu. Bah, clairement. En vrai, ouais, ça serait intéressant de les acheter du coup. Pour celui qui veut en acheter un et l'ouvrir, il a une chance d'avoir une brillante pour le coup. Ben voilà, ben, je suis quasiment sûr et certain qu'il reste une brillante dans les GM. J'ai regardé là. Non. Il y en a plus. Il y en a moi, plus j'ai aucune connaissance. Je sais pas s'il peut y en avoir deux obligatoirement. Par ben, ouais. Contre là, moi, je suis sûr à 100% que la. Je suis sûr à 90%, mais c'est. Je peux pas. Non, je peux pas. C'est pas rentable. Peut-être que quelqu'un achètera derrière et échattera derrière. Hein. C'est. Mais. Peut-être que le booster tu vas offrir. Bah c'est possible, hein. Et tant mieux pour la personne. J'en ai plus des Neo Destiny chez moi. Mais voilà. Je vais rentrer chez moi, je vais ouvrir moi. Moi j'ai plus rien, j'ai rien. Enfin, il me reste les ceux de collecte, mais 4. Je reste persuadé qu'il y a encore une brillante. Ouais. Bah, de toute façon, pas, 9 follow, une brillante. Pour moi, il y a un point. C'est. Non, non, il y a... à 11, j'aurais dit, ouais, ça arrive. Ouais. 10. 10, c'est la. Pour moi, ce qui manque, c'est pas une holo, c'est une brillante. Moi, c'est... je dis ça, je dis rien, Teddy. Hein, Moi, je dis ça, j'aurais continué. Mais... Ouais. Ah non, faut se fixer des limites. J'en ai déjà pas beaucoup, alors. Si. Franchement, un booster de plus. Non, mais il reste une brillante, c'est sûr. Ouais. Heureusement qu'il y a celle-ci. C'est pas une holo qui reste. Bon, la mentalité aussi. Au pire, pack, le booster cadeau doit être ouvert. Non, je pense qu'il en fera ce qu'il veut. Hein. La Farge disait une brillante toutes les trois displays à l'époque, c'est du gros fake, sachant que nous, la dernière fois, on a eu deux brillantes dans une seule display. Parce que la Farge dit, c'est fake. Pas compliqué. Non, bah t'as quand même mentalité, Arcana. Ouais, alors... Les molos. Bon, petit récap. Puis enfin, t'en as eu qu'une, mais t'as eu celle qui te manquait. Ah, mais t'es dit, excuse-moi, Kevin, t'as raison, hein. T'as entièrement raison. Mais au bout d'un moment, voilà. Faut trouver des limites aussi, et malheureusement. Que là, les derniers, ils faisaient combien?
Ils étaient tous au même poids, tous. Ah. Même le Norfang. Hein. Donc, et je suis, il y en a d'autres qui sont dans le même poids, mais pff. Mis à part si t'en trouves un, Teddy qui sort du lot. Mais sinon, enfin moi je prends pas. Je peux. Voilà, je pense que j'ai suffisamment fait le fou. Et au final, peut-être quelqu'un qui lui va acheter le booster à l'unité pourra se permettre. Hein. Faut oser l'ouvrir, hein, mais pour moi il reste une brillante, c'est quasi sûr. Non, c'est certain qu'il n'a pas. Et vu les poids, c'est pas une eau qui reste, c'est une brillante. Bon, alors laquelle? Si on fait un petit vote pour savoir laquelle est la plus belle, laquelle vous préférez, ce serait laquelle? Arcanin ou Mandalou? Oh, Farampil est ouf. Hein. Arcanin est ouf aussi. Il y en a plein de ouf. Non, par contre, les houlots. Des Dracolos, quoi. Voilà, voilà. Bon, ben... Beaucoup de rats un petit peu déçu à ce niveau-là, par contre, t'as eu ton Overfang, ça c'est top. Donc là, la collecte à l'avance, c'était le principal au final. Voilà. Non, c'est pas ouvert. Il y en a au moins 5 au même poids. Voilà, il y en a encore 5 au même poids, ben écoutez, enfin, voilà. Ouais. Donc potentiellement... Il y en a peut-être une, mais c'est impossible. Il y en a une dans les... Ouais, c'est certain. Même. C'est impossible de la détecter. Ah, c'est un petit joueur au moins quand même. Ouais, ça, on savait déjà. Mais... Ouais, ouais, je sais, plus je vieillis, plus je deviens sage, hein. Je suis désolé. Déjà, t'as le nombre de rares qui est ouvert. C'est dur, mais... Bon. Mentali, il y a beaucoup de Mentali Arcanin. Oui, bah de toute façon. Des molos aussi un peu. Des molos, c'est vrai qu'il est ouf. Ouais, c'est une des... Ben voilà, vous voulez changer de téléphone pour continuer les ouvertures? Non, on va rester là, non? T'as combien? Ah, il y a batterie qui... Je suis 9%, on peut faire les trois là, je pense. Voilà, on va continuer sur... Non, c'est ça, on va le faire entre nous peut-être. Non, bon d'accord. Bon. Donc merci Romain. Merci Teddy. Merci Jean. Voilà des boosters. Eh hey, Teddy. Oh, on ouvre un chacun de toute façon. Des boosters expédition. Bon, on cache rien. Clac, clac. J'en ai ouvert peu des expéditions. Pourtant j'ai ouvert du booster. Mais voilà. Des expéditions, j'en ai pas ouvert beaucoup. Qui sont considérés comme lourds et qui sont vendus comme lourds. Donc en gros, s'il n'y a pas de dolo, ben moi et Kevin, on rembourse Teddy qui les a achetés. Voilà, c'est garanti lourd. Donc on les a vendus comme garanti lourd. Donc. Oh, alors le tri par contre. Voilà. Quand en fait, tu as le choix. On va faire comme ça. Tu as le choix, Teddy, de garder le booster s'il n'y a pas de lourd. Oui, ici, quoi. Voilà, après, au même prix. Hein, ça me fait chier pour vous. Je préférais qu'il y ait des lourds, même pour moi. Ça s'ouvre pas. Les boosters proviennent d'une display. J'avais ouvert le plus léger des lourds, qui était normalement un poids lourd. Il n'y avait rien eu. J'en ai rouvert un et il y avait une belle holo. Ouais, un Dracolos. Un Dracolos. Alors le tri, je ne sais pas. Donc on va y aller comme ça. Tu connais pas le tri? Non. Je ne connais pas. Tu connais pas le tri? On moi, y va comme pas ça. Les boosters, donc Ok. Petit bonus, hein. Petit bonus. Petit booster pourri. Alors, un gros lème en rare, ça c'est une rare. La reverse, c'est une rare aussi, je crois. Ouais. Et. Oh, c'est déjà pas mal, même s'il n'y a pas d'eau. Oh, ouais, il y a une holo. Une holo, la 7. J'ai aucune idée, c'est blanc. Ça doit pas être ouf, je pense. Et Melodel. Si on la voit pas souvent. Ah oui, non mais... On la voit pas souvent du tout. Moi, tout me va, on va dire, sauf Hermure. Que j'ai déjà 3 fois. C'est juste pour ça. Hop. Ah, je vais te les laisser ranger. J'aimerais juste avoir... C'est vraiment la carte que je veux, c'est Mew. Mais... Ouais, j'aimerais mieux contre Arcana. Ah ouais. Ça se discute. Vas-y, bah allez. J'ouvre le prochain. Vas-y. Tu veux dire lequel? Non, vas-y, bah un Florida. Top, prends t'es pas une poche de prime. Non. Bon, la qualité. Hein. Alors, le tri, c'est 3, 4, 5 en portant de devant. C'est River si Prime, peut-être l'eau. Non, au contraire. 3, 4, 5, c'est grand. Je prends pour la River, ça serait bien. Prends les top prends tout. Non, mais j'en ai là-haut. Tu l'avais déjà un Melodelf, hein? Non? Attends, je vais rechercher ma liste. Je crois que c'est la tienne. Oh punaise. Bon ben voilà. Champion du monde. Je sais pas ouvrir les boosters.
Ah ouais. J'avais pas mélangé. Je ne l'avais pas. Tu l'avais pas? Non, je l'avais pas. Non. Ah bah nickel. Bon, pas mal hein. Donc Alakazam, Pharaon, Crustabri, bah Dracos, non j'ai. Magby, Mew, Mewtwo, Fenard, Pichu, Racho. Okay. Vas-y montre. Donc si vous voulez acheter les listes, les listes à Teddy, voilà, c'est... sinon vous demandez à Mathieu et on a... Allez, tu sors Mew, puis on n'en parle plus. À l'ancienne. Et là, t'as un coffre brillant. Bah. C'est fait. Ça rend pas en barre. Ouais, bah, tu me sors la même mandolo, ça me va. Hein. C'était bien ça, à l'époque, comme d'art de rare. Putain, tu chattes quand même. Je chatte les rivers. Ah merde, j'ai mélangé dans... Ouais, dans... Une des plus belles. Je chatte les rivers. Et donc, Arita, forcément, aussi. C'est une holo. C'est une holo derrière. Oui, c'est une holo. Ouais. Oh on le savait. On le savait. C'est un truc de ouf. Bon, truc vous n'avez pas ouf. Les images, mais il y a la danse de la joie. C'est un truc allez, de ouf. Allez, c'est bon. Bonne soirée. Oh, bon. Putain de merde. Ah ben voilà, je peux plus bouger, hein. J'ose ouais, pas l'apprendre. Là, c'est un truc de ouf. J'en reviens pas. Bon, j'aurais peut-être pas dû acheter l'autre. J'avais dit. Non, ah, c'est pas grave, hein, franchement. Ouais. Ouais. Ah, j'avais dit quand elle était dedans. Oh merde. Ah, c'est magnifique. Hein. Bon. Je peux plus bouger. Tiens. Oh putain merde. Ah, oh, je m'attendais tellement. J'attendais rien en fait. 5% de batterie. Ouais. Ok, regarde derrière. Oh, oh. Non, non, enfin là, enfin ça sert à rien de regarder. Enfin, Lolo, on la voit, il n'y a rien, c'est nickel. Fais voir. Oh, le délire. Ça, c'est du 10-10+. De toute façon, Aquapolis, enfin, Expédition Aquapolis. Le délire. C'est... De la piocher ah, ça, c'est du 10-10+. C'est... Ça va être un souvenir qui va rester longtemps. Ça. Et chez toi, j'ai tiré Lugia Crystal. Ah, j'en parlais hier avec Marc. Ouais, sublime. Franchement, je te prends un top. Là, c'est sublime. Allez, attends. Ah, je suis content. Ouais, faut se dépêcher, par contre, parce que là, ça va s'éteindre. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et... Là, t'es comblé. Là. Ah là, je suis comblé. J'avoue, en vrai, je peux faire mieux. Vu que j'ai déjà, donc... Bon. Ouais, c'est Aquapolis, c'était pas... Donc, en plus, pour l'instant, d'accord. Le plan se déroule à merveille, Teddy. Bah ouais, c'est plutôt pas mal. Là, tu me sors un petit Mew. Un petit... Ah bah Mew, tu finis en... Franchement, il manque même Crustabri. Il manque Crustabri, il manque Crustabri. J'ai déjà un peu. Là, comme ça, c'est... Mew, Mewtwo, c'est... Il manque Magby, tu vois, c'est même pas... Moi, j'ai Magby, je suis carrément content. Moi, juste une que j'ai pas. Bah là, Mélodette, tu vois, c'est pas les plus rares, mais j'ai pas, donc... Parfait. Ah non, mais ça, c'est... Alors, 3... 1, 2, 4, 5... Mais c'est bon, ça, c'était... Ça, c'était une grosse display, hein. Une fin de grosse display, pardon. Bah, t'as un colosse, d'un coffre. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait le tri. T'as fait le tri? Voilà. Et vous allez voir, c'est efficace. C'est une catastrophe. Crise acier, suppression d'énergie. Krabi. Germine. Ah c'est une cadette, t'as loupé ton tri, moi je te le dis, je le vois du dessus. Ouais, ça la mèche. Hein. On s'en fout du tri. Typhlosion aura, c'est pas mal. Donc, du coup... T'as pas loupé ton tri. Un reverse. Ouais c'est reverse. Ouais non, c'est bon. Ouais. Ah, et j'ai encore. Eu que des rares reverse. Non dans ton booster que t'as ouvert chez toi, c'était Germignon. C'est Nolo. Alors, traîne pas trop quand même parce que oh Pikachu c'est oh. Yes ouais, il est magnifique. Yes non, c'est impeccable hein. Que des cartes que j'avais pas, enfin Dracofeu aussi mais ça va. Dracofeu ça me va bon bah super hein. On a encore des boosters là on finit en beauté alors on finit bien. Moi j'ai on ouvre un défini. C'est vendu garanti lourd, hein, y a pas de problème. Hein. Et garanti, j'ai pas surtout. C'est pas mal. Ah oui, et puis en plus, voilà, si vous voulez une carte, faut le dire. On n'a pas eu Mew, bon. Ça, un truc de ouf. Hein. Elle est extraordinaire cette carte. Je la trouve même. Je suis même plus content d'avoir fait un que d'un. Tiré en Dracofeu Expédition Holo. Ça c'est beau. Ça c'est beau, bordel. Tiens. Oh là là. Ah merde. Ah bah voilà, on finit bien. On va pouvoir ouvrir du soleil et lune tranquillement. En pour, paix, tu pour, vois. Pour descendre. Ouais, ah, je bien non, bon. On va dire au revoir.
Putain, truc de malade. Ah ouais, là, on finit bien. Je vois pas les commentaires. Bon, on se fait un petit... Dit, refait, ouais, petit... Tiens, regarde, tu t'en fiches, tiens, de Crustabrion Reverse, non tu... Non, 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 je vais te faire. Non, je m'en fiche pas. Quoi. C'est un petit Pikachu. Ouais. Sympa, toujours sympa, le Pikachu. Bon, on fait une petite récap vite fait. Sur les bâtons, je te refais là. On a deux sous pochettes et... Ouais. Crustabrion Reverse. Et j'ai eu la chatte sur la Reverse 3. Ah, magnifique. En vrai, je vais rien faire de spécial. Je collectionne pas les rêves. Faran Ponholo. Mais c'est cool. Ouais, celle-là, mais... Ah, ouais, ouais. Tu l'avais en... Tu l'as en holo? Ouais, j'ai en holo. Ah, magnifique. Donc, petit Faran Ponrin. Rapace de pique. En reverse. Mais le Delph, j'étais sûr de l'avoir. Mais le Delph. Je note pas quand je n'arrive pas comme ça. Mini Draco. Ah ouais, mais même McBee, les cartes ne jouent jamais. Golem, et bien sûr... Oh, Mew, c'est vraiment le Graal pour moi avec Draco. Ah, Mew, faut la trouver. Bon courage. C'est dingue. C'est un truc de ouf. Ah, c'est ouf. Ah, et t'as sorti sortir Draco Feu. Là, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. C'est pas moi. Non, non, non. C'est même plus... Ah oui, bon, T'auras vu, hein.